Madame Claude Greff, sur le 1846. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que cet article 1 bis A m'interroge. M'interroge parce que je voudrais savoir où vous voulez en venir, Madame le Ministre. Vous avez opposé tout le monde. Vous nous méprisez lorsque, dans l'Assemblée, nous intervenons. Nous n'avons aucun respect de la part des élus de l'opposition aujourd'hui. Et tout s'explique, évidemment, puisque nos réactions sont à fleur de peau. Et lorsque je lis cet article 1er bis A, je me demande aussi là où vous voulez en venir. En fait, après avoir opposé les Français, après avoir opposé les élus avec les Français, maintenant vous opposez les élus par rapport au procureur de la République. Mais vous avez un tel mépris autour de vous que vraiment, là aussi, vous ne faites même plus confiance aux officiers d'état civil. Il va falloir maintenant désormais que leur fonction soit sous le contrôle du procureur de la République. Mais où va-t-on? Quelle est votre vie? Comment est-ce que vous considérez notre société française? Est-ce que véritablement rien ne marchait avant que vous n'arriviez au pouvoir? Eh bien, je suis vraiment désolée de vous rappeler une chose. La France a très bien fonctionné. Et elle fonctionne aujourd'hui grâce aux Français, et grâce aux élus de la République, et grâce aux institutions. Ça n'est certainement pas vous qui allez révolutionner notre société en cassant tout ce qui a été construit. Je répète une fois de plus ma totale opposition, non pas sur le principe, mais sur le fond de votre action au travers de cette loi du mariage pour tous, parce que votre seul objectif est de détruire ce qui a été construit avant que vous n'existiez.